Alors, je fais plus de plafond, je vais faire des fondations. Ah, fait chaud. Moi, je pense que c'est une distance à respecter vis-à-vis d'une autre structure, comme la chambre de clonage. Pour l'électromécanisme intemporel de la cité antérieure médusée par les atomes centriques. Moi, je pense que c'est ça. Ils ont dû y penser quand même. C'est sûrement ça. Ah oui, moi, je pense. Hein. Bon, c'est technique. Hein. Généralement, j'en parle jamais. Hein. Mais bon, là, je pense tout haut. Hein. Je m'excuse. Je sais que c'est pas à la portée de tous. Allez, go. Qui manque de la pierre? Là, arrête bon là, hein? Ah, Nicole, s'il a compris. Au moins, on se comprend. Patou, elle m'a compris. C'est pour ça qu'on forme une bonne équipe. Voilà. Pas simple, hein. Bon. Branchage. Fait chaud, fait chaud, fait chaud. 30, purée. On va remettre le ventilo, ça fait du bruit le ventilo. Bon là, ça devrait être bon là. Après, on va aller à la forêt, pas la forêt, mais là où il y a l'obsidienne, je prendrai une structure, on va essayer de la poser sur une structure, mais apparemment, il faut que ça soit plat. Si c'est pas plat, ça, il veut pas s'y mettre. Hein. Et l'obstacle, c'est sûrement le terrain qui est pas nivelé, quoi. Si c'est pas juste à côté d'une structure, moi je pense que ce serait ça quoi. Bon, on va le mettre plus par là, hein. Ah tiens, là 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 là, pourquoi t'as fait ça toi? Qui c'est pas arrivé ça aussi, tiens. Qu'est-ce qui va me manquer? De la pierre. Bon, attends, je vais finir chez moi là, hein. Hop, je vais avoir un peu de pierre quand même. Là. Allez, hop. Qu'est-ce qui manque maintenant? Du bois, j'en ai du bois, du bois. J'en ai juste à côté. Voilà, je pense que ça devrait pas être trop mal là. Faut que le générateur il puisse aussi l'alimenter, hein. Faut pas le mettre trop loin non plus. Bon, ça devrait être bon là, non? On va essayer là. Bon, là, il n'y a pas d'obstacle, c'est vachement haut, d'accord, on est bien d'accord, pas de problème. Donc normalement, ça devrait aller là. Allez, mets-toi au vert. Attends, oh, c'est oh, c'est quoi cette histoire, hein? Je comprends pas hein, les copains. Hein. Je suis carrément au bord là. Un obstacle. Hein. Ta grand-mère a l'obstacle ou quoi là? Attends, il m'énerve là-haut. Pas d'obstacle. Hein. Le tuyau, tu me dis le tuyau, il est bien dessus là. Bah, je fais pareil tous les matins après mon café, je remets en cause la théorie et la relative. Oh, bah voilà, c'est ça, Nicorse, tout à fait. Voilà. Le temps qu'on se réveille et qu'on remette nos neurones en place, et bah, ça se bouscule. Hein. Essaye de mettre le tube le plus près possible du générateur. C'est ça qui. Ah bon? Mais le tube, il est central. Ah non, le tube. Ah, ah d'accord, le tube, il n'est pas au milieu, c'est un effet optique. Ah d'accord, il est juste. Oui, ok, il est juste devant toi. Je croyais qu'il était au milieu, Nico Clash, excuse. D'accord, et c'est le tube qui prend la génération des atomes atomiques qui révèle l'intensité mathématiquement subsahariale.
Ouais, ça doit être ça, ouais. Bah non, hein, c'est zéro encore, là. Hein. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, les verts. Gain. Donc là, il surplombe aucun plafond, là, apparemment. Hein. C'est pas un plafond, celui-là, là. Fondation en pierre. Non, voilà, d'accord. Ah ouais, mais même tout au bout. D'accord, ok. Même là, là. Tu vois, carrément au bord, là. Alors, je comprends une dalle, là. Dès qu'il y a un plafond, ça va pas. Tout à fait. C'est la théorie de la relativité du plafonnier en pierre structurée des météorites datant de ouf, des années lunaires, je pense. Enfin bref, il est vert. Alors, est-ce que si je le mets là, le plus près possible, voilà, là je pense que... Voilà, dès qu'il touche le plafond, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc vaut mieux ne pas avoir de plafond. Donc je vais dégager ça. Et je devrais plus le reculer normalement. Être ou ne pas être, telle est la question. Sinusoïdal. Oui, le sinusoïdal. Ouais, exact, Nico Clash. Ouais. Non, l'obstacle, Nico Clash, c'est bien donc le plafond, hein. C'est ça. Donc là, je peux reculer. Voilà, tu vois, j'ai enlevé le plafond sur la droite et là, je peux plus le reculer. Voilà, regarde, regarde jusqu'où je vais là. Là, je recule. Alors là, je sais pas pourquoi. Il est vert. Il n'est pas vert. Voilà. Ah non, là, c'est fini. Non, pourtant j'ai enlevé le plafond là et... Bon, ok. Bon, on le met là? C'est où que j'ai enlevé le plafond? Ouais, c'est celui-là que j'ai enlevé le plafond, mais non, à chaque... Alors attends. Je vais refaire un petit peu de fonda. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on sait. Voilà. Je vais refaire un petit peu. Ça peut être la chambre. C'est peut-être la chambre. La chambre de clonage. Pas trop près, alors. Pas trop près de la chambre de clonage. Certainement. Puisque là, j'ai enlevé le plafond, mais il a toujours pas voulu reculer. Donc. Que ça soit trop près. Le générateur, je vais le mettre à fond. Est-ce que ça consomme plus si on le met en x10? Générateur. Parce que là, il va pas jusqu'au tuyau là. La portée. Oui, beaucoup. Ah bon? Plus tu le. Ah bon? Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va bientôt aller sur extinction, donc on va en avoir des éléments. Parce que Kaiser, il m'a dit, c'est un élément tous les 8 heures, donc que ce soit x1 ou x10, l'environnement. Alors là, est-ce que je peux? Là, je peux pas. Par contre, là, je peux, tu vois, je peux continuer là. Voilà, je vais en remettre encore 1, 2, 3. 3, là, je pouvais plus, là, je crois pas. Donc, je vais en remettre 3. Plus la portée est élevée, plus il consomme. Ah, bah tu vois. Ok, ça marche. Donc j'aimerais bien le mettre le plus près du générateur, quoi. Parce que là, je pense pas qu'il l'alimente. On va voir ça. Je fais encore trois fondations et je le pose. Par contre, à la montagne, je mets qu'une fondation. Hein. Je fais pas tout un truc. Hein, parce que là, c'est à la maison. Ok. Bon, bah, c'est intéressant ça. Une, deux, allez, les trois derniers. Je pense que c'est du bois qui me manque. Ouais, trois et quatre, ça sera pour l'autre. Allez, on y go. Ah, ça coûte bonbon quand même, hein.
Voilà, j'aime bien quand c'est bien carré, plus possible. Voilà, hop. Là. Et là, hein, c'est pas mal là. Là, on est bien. L'autre, je le réserve pour là-bas. Là, je crois que je pouvais plus le mettre. Attends, je regarde. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Oui, je peux le mettre. Allez, je le mets. Voilà. Là, je sais pas. On verra plus tard. Je pense. Normalement, il est pas au-dessus de l'eau. Donc, ça consomme plus on met le. D'accord, ok. Alors, hop. Alors, au plus près, voilà, au plus près, ça va être. Attends, attends, viens par là, hop là. Tu peux reculer un peu? Non, non, là, il peut plus reculer. Hein. Je le mets là. Ça va être le plus près. Hein. Parce que là, c'est quoi? C'est pas un plafond, là. C'est quoi? C'est une fondation. C'est une fondation. Hein. Il veut pas se rapprocher plus. Hein. Et il touche pas de plafond. Hein. Par contre, dès qu'il touche un plafond, il veut plus. Exact. Hein. Ok. Tu as dit pour le porter. Hein? Plus la portée est élevée, plus il. Ouais, c'est ça. Tu as dit pour la portée minimum. Bah, j'essaye de le rapprocher le plus possible pour éviter. Allez, on va le mettre là. Pour moi, il est bon là. Hein. Alors, le plus proche possible. Je vois pas l'obstacle après, tu vois. Parce qu'il touche pas le plafond. Allez. Est-ce qu'il est alimenté là? Non alimenté. Est-ce que c'est bon là? Ça, ouais, ça a fait un beau bébé là. Hein, les. Waouh! Purée. C'est cool, hein. C'est cool, c'est cool, hein. Allez, parce que la structure touche le sol. Ah, donc elle toucherait. D'accord, Nicorse. Ok. Tout à fait. Là, je pense qu'elle touchait le sol dès que je la rapprochais un peu. Mais elle voulait pas aller par là aussi. Tu vois, même un petit chouï là, peut-être que c'est le plafond là qui. Non, bah. Renommer, activer. Alors, activer la téléportation, renommer le téléporteur. Donc, villa. Voilà. Ok. Donc, il n'est pas alimenté, on est bien d'accord. Hein. Non alimenté. Donc, on va augmenter la puissance du générateur. Portée du générateur. Merci. Ah, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas me la donner la portée? Il veut pas me la donner. Pourquoi tu veux pas me la. Alors c'est peut-être ailleurs, non? Option. Diminuer. Ah voilà, d'accord, c'est option. Diminuer. Non, bah non. Augmenter le rayon vers 2. Oh, non, je crois pas. Hein. Non alimenté. Alors 2-2. On va faire petit à petit. Option. Ah, portée du générateur, ça doit être le voir ou pas le voir. Ça doit être ça. Augmenter. Trois fondas, c'est. Ah ouais? Fois 1. Alors j'en suis à combien moi de fondation là? 1, 2, 3, 4. J'en suis à 4, moi. 19 fondas, c'est x 5. Non, non, pas 19. Hein. Option. Ah, on dirait là qui touche. Non alimenté, Walou. Bon, là, il va toucher, là, maintenant. 2-8. Attends, il exagère. Hein. Purée. On va le mettre à 3. 37 fondations. Ouais, c'est énorme.
Voilà, fois 3. Alors là, il doit y être parce qu'il s'éclaire. Alimenté, voilà, 3. C'est bon, je suis à x3, il est alimenté. Bon, c'est cool. Donc la chambre de clonage, les lits, voilà, hein, le générateur, il va s'occuper de tout ça. J'ai combien de trucs, moi? Accès à l'inventaire. Ouais, j'en ai 183. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On l'allume, non? Téléporter. Renommer téléporteur, ça c'est détruire, non? Activer la téléportation publique, j'en sais rien. Téléporter, donc faut se mettre dedans et y aller. Mais bon, comme j'en ai qu'un, je vais nulle part là. Là, je vais nulle part. Si je mets téléporter. D'accord, ok. Donc il va y avoir quelque chose qui va se mettre. Donc je voulais le mettre là où il y a l'obsidienne. Allez, on y va? Vous voyez, 5 minutes? On a les mêmes paramètres que l'officiel. Oui, on a les mêmes paramètres que l'officiel, Nikors. Oui, tout à fait. Hein. Il n'y a pas de. C'est juste en x2, comme l'officiel le week-end, souvent. Et je crois pas que j'ai en x4. Je voulais mettre en x4 pour les animaux, là. Les œufs, l'élevage, mais non, j'ai pas réussi. Alors, je crois que c'est en x2 ou x1. Donc, à x5, le rayon, un élément. Ah, bien, merci Nico Clash. Le rayon, c'est un élément 7h45. Super, merci Nico Clash. Cool. Donc, je peux aller à x5. Le prix est raisonnable. Donc, on va aller à l'obsidienne maintenant. L'obsidienne, il fait froid, je crois. De toute façon, j'ai à manger. J'ai des bouteilles médicinales que je vais remettre à sa place. Voilà. Donc, je mets qu'une structure. Avec une structure, ça va aller. Ah, le générateur, ça va sur une structure aussi, non? Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Salut Richtofen, comment on va? Donc, avec deux structures, ça devrait aller alors normalement. Les joueurs d'autres tribus peuvent. Ah, d'accord, Nico Clash, merci. Donc, Nico Clash me dit qu'en public, hein, comme on a vu sur le téléporteur, c'est pour que d'autres personnes qui ne font pas partie de la tribu puissent s'en servir. Voilà. Donc je vais refaire une structure. J'ai plus de pierre, moi. Qu'est-ce qu'il me faut pour... Moi, je vais avoir ce qu'il faut là-bas. Hein. Ouais, je vais faire une structure là-bas, il y a ce qu'il faut. Donc un générateur, un téléporteur, fondation, je vais les faire là-bas, et des éléments pour actionner le générateur. On est bien d'accord? Ah, et un lit. Je vais faire un lit parce que comme ça je ferai un voyage lit, j'allumerai le générateur, je reviens ici et après je me téléporte. Parce que je ne vais pas laisser le générateur fonctionner tout le temps, tant qu'on n'a pas beaucoup d'éléments d'extinction. Donc je vais faire comme ça. Donc il va me faire une structure, donc il me faut un lit. Que j'appellerais téléporteur, tout simplement, obsidienne, hein, c'est surtout pour de l'obsidienne, est-ce que j'en ai un lit? Non, j'en ai pas. J'ai des sacs de couchage à la limite, hein. On va mettre un lit, hein, tant qu'à faire. Quoique sac de couchage, j'ai pas besoin de fondation. Bon, allez, soyons fous, prenons trois sacs de couchage. Allez, on va pas perdre de temps. On va non, ça c'est oui, ça c'est bon. Accès à l'inventaire, je vais me dépatouiller un petit peu de choses. Il me manque donc les éléments. Faut que tu fasses une plateforme pour le poser, c'est plus simple. Ah, une plateforme. Alors attends. Ça va tranquille, Richtofen, tranquille ou tranquille. Alors attends. Un gigano. Alors ça dépend de ton arbalète. Le mieux c'est de le faire au fusil avec. Attends, je vais te montrer. Au fusil long avec cela, tu vois là. T'as vu ce que je te fais voir? Là. Avec des fléchettes tranquillisantes améliorées. Avec Patou, on avait fait un gigano, on avait peut-être envoyé 300 à 400 flèches. Hein. On l'avait fait à l'arbalète et je crois que c'était des mythiques. Donc t'as pas fini. Le mieux, je te dis, c'est un fusil long avec des fléchettes tranquillisantes. Tu gagneras ton temps. Si tu veux.
L'accrocher. Non, non, j'accroche pas une montagne ni corse. Non, je veux le plus simple possible là, pour là-bas. Ouais, ça serait mieux avec ça. Hein. Même si les deux couleurs, ton fusil, ça sera encore mieux. Hein, parce que sinon, faut que t'en prennes deux ou trois, ils peuvent casser. Hein. Avec des murs. Pourquoi tu veux avec des murs, pourquoi? Bon, je vais mettre. Tu m'as dit juste sur une fondation, ça tient. Bon, on va faire ça. Hein. Allez, donc là il me manque, j'ai que 6 cartouches, moi je vais en prendre un peu plus. Voilà. Cartouches et des éléments pour essayer le téléportage avec mon aigle après, ça sera pas mal. Ah, j'ai faim. Les éléments, est-ce que j'en ai là moi, attends? Bah oui, j'en ai dans le générateur, les bœufs. Bon, allez, on y va. Lui, est-ce qu'il est bon, lui? Dans 50 minutes. Alexa, tu mets une alarme dans 50 minutes? 50 minutes à partir de maintenant. Voilà, comme ça, je m'occuperai du T-Rex. Là, j'ai mon téléportage, je suis super content. C'est génial. De l'eau. Désactiver. Accéder à l'inventaire. Je vais commencer à en prendre de 20, allez, 20 éléments. De toute façon, faut que je refasse le singe. Ok, bon, ça c'est bon. Allez, on va mettre l'autre téléporteur. On va y aller. Elle est où ma wyverne? Elle est là. Allez, on y va. On va positionner tout ça. C'est parti. Donc là, je mets des téléporteurs. C'était un conseil de Nico Clash qui m'a donné hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier, il me semble. Pour gagner du temps, parce que du nord au sud, je perds pas mal de minutes. Entre 10 et 15 minutes pour l'aller-retour. Donc c'est pas négligeable avec le téléporteur, on va gagner ça. Et on va essayer d'en mettre un petit peu partout devant les grottes pour les artefacts, devant pour du minerai, pour de l'obsidienne. J'en mettrai une à la neige, c'est pour les rhinos, pour les cornes de rhinos. Voilà, tout là où il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent nous gagner du temps, comme là, c'est vachement long, vous voyez, avec la wyverne. Donc on va faire au plus simple. Hein. Donc comme c'est tout nouveau, bah, je vous le montre. Hein, et je me fais aider évidemment parce que je ne connaissais pas trop. Donc la montagne de l'obsidienne, c'est celle qui est en face. Hein, c'est pas celle de droite. Celle de gauche, c'est le volcan. Donc c'est celle du milieu. Ça c'est cool. Il faut que j'en mette une aussi chez Patou, qu'elle puisse aussi se servir du téléporteur. Donc normalement c'est celle-ci, hein, là où il y a le plus d'obsidienne. Donc il faut que je la mette à un endroit aussi qui n'empêche pas la réapparition de l'obsidienne, évidemment. Ça coule de source. Donc, je pense que c'est celle-là. Hein. Je vais peut-être me poser, moi. Ouais, apparemment, c'est celle-là. J'en vois plein. Ok. Voilà, ça, c'est là où il y a plein d'obsidienne. Donc, il faut que je la mette à un endroit assez calme aussi, assez plein. Il y a des aigles. Où il n'y a pas trop d'obsidienne non plus. Je pense que là, ça devrait le faire si je fais le tour de l'île en pétant tout l'obsidienne. Faut pas que ça soit penché. Ah, ça va pas être évident, hein, mon pote. J'ai le générateur aussi à poser. Ah!
ça me paraît pas trop trop mal. Moi, je pense que là, ça devrait pas être trop trop mal. Peut-être faire du ménage là. Viens ici, toi. C'est quoi? C'est un chacal, ça? Ou un chacal? Attends, 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 attends. Attends, 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 attends! 2 minutes! J'ai pas vu mes DPS là, comment ça se fait ça? Des petites flèches. C'est que t'es, toi, t'as bouffé les autres, me laisse pas tout seul par ici, toi, pose-toi. Pose-toi, mec. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu bouffes là? Ah, d'accord. Bon, mes DPS, ah voilà, 1024 seulement, ah bon? Moi, ça se fait que je fais que 1024. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va mettre une fondation par ici. Si je la mets ici, ça va pas toucher le sol. Si je la mets un petit peu en hauteur, hein? Bon, on va essayer, on va stratégifier. Ah, attends, là j'entends un Kekos, voilà, ça y est, il m'a touché le mégot. Vas-y, attends, 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 attends. Il va m'endormir, lui. Non, c'est bon. Pourtant, il m'a touché. J'ai pas de résistance sur moi. Résistance 0. Non, bah, c'est bon, impeccable. Bon, on va se faire une petite fondation. Qu'est-ce qui manque? Pierre-bois. Il m'a touché, mais je monte pas, c'est bon. La pierre, ah, je suis déjà lourd. Chercher un petit peu de bois. Même là, ça serait pas mal, là. Un aigle là. Pour me prendre la tête, lui. Je vais être lourd par contre, là. Voilà. Voilà, là j'en ai deux. J'ai mes deux structures. Ok, là je suis lourd, hein, par contre. On va peut-être dégager. Ah, je vais mettre au moins un si je meurs. Déjà. Voilà. Bon, je vais mettre les trois, de toute façon je peux les. Hop. Après, ok. Alors là, si je mets une structure là, c'est pas mal au pied de la montagne. Il faut que ça soit le plus haut possible, sans obstacle. On a bien compris. Mais très bien là. Ça, je vais le dégager. Je vais faire du silex, ça fera moins lourd. Donc si je mets la structure ici, c'est calé. Voilà, là, ça ne touchera pas, c'est bien haut, hein, on est bien d'accord. Voilà. Le schmilblick, voilà. Alors, sur une structure, tu m'as dit, hein, voilà. Donc, pour l'instant, c'est Walou. Il y a un obstacle, voilà, il y a un obstacle. Alors, je ne vois pas quel obstacle il peut y avoir là. Hein. Ça ne touche pas le sol, on est bien d'accord. Voilà, donc là, je suis sur la structure, il y a un obstacle. Et tu m'as dit sur une fondation, ça tient. Bah, voilà. Ok. Ah, là, voilà, qu'est-ce que tu dis? Alors, qu'est-ce que tu racontes là? Hein? J'ai rien dit, moi. Voilà. Ça y est. Again. Me faire lâcher, moi. Ok, donc ça, c'est bon. Ah, c'est vraiment au bord. Hein. Et on va mettre le générateur. On peut pas le mettre sur le même. Juste à côté. À votre avis. Si je le mets juste à. On va voir, on va voir. On va essayer. On va essayer de faire vite parce que si ça fonctionne pas, tu peux le mettre.